Bonjour, bonsoir, bon après-midi, bon matin, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Je vous dis bonjour, je suis du côté du Tanganyika, précisément à Kalemi, le chef-lieu de cette province. Nous sommes dimanche, le compte déjà aujourd'hui, le 19. Nous sommes le 19 mai, c'est ça, hein? Et la ville est calme, à Tanganyika, tout est très très calme. On nous a appris qu'à Kinshasa, il y aurait eu quelques petites... Moi, Nungu, et d'ailleurs, d'un côté de Kinshasa, les forces armées de la République démocratique du Congo, que nous saluons, à qui nous disons félicitations parce que tout est calme. Je demande à la population de Kinshasa, à la population du Tanganyika, là où nous sommes, à la population du Bas-Congo, Otuélé, Bazuélé, à la population de tout le grand équateur, la population de la Tchopo, Batonio, surtout la Bas-Congo, Chikapa, Kassai, le grand Kassai, bien surtout la calme, parce que tout a été maîtrisé, comme d'ailleurs vous montre les images que vous regardez maintenant. Les assaillants ont été maîtrisés. Bakangu Bango, Bombang de l'autre côté, population Mama Kende, Sambelanzambe. Deux choses, très chers amis téléspectateurs. Nous avons appris que la résidence de son Excellence, monsieur le futur président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a été attaquée. Mikolomi Leki n'a pas été la grimine du sol à Vital Kamerhe. Mikolomi Leki n'a pas été la grimine que pour l'Assemblée nationale, la Bissot. La temps où il m'a été à Sengeli, cause à la présidente Pouda et à lui Vital Kamerhe. Batoba Lobaki, Batoba Filaki, Batoba Tcholaki. Amis téléspectateurs, je vais vous dire en quelques minutes. Lélo, la RDC, qui peut mieux que Vital Kamerhe diriger l'Assemblée nationale? Si on le dit, d'autres diront Ali Momo, d'autres diront à Komi Kokote là. Mais moi qui n'a pas le bateau va pour le bas, ben on a pas prouvé. Banda to banda, baloba kakaka, ba prouvé et akate. Mais je vais vous rappeler, très chers amis téléspectateurs, il est un temps, Vital Kamerhe Azalaki, président de l'Assemblée nationale. Alors, moi, pour l'ami, pour mon ami Mabouna, que je salue, Ayoka Nakana, de Kounabiso, ba Rwanda, Baka Mataba Soda na Bango, Bako Koto na Bango, na RBC, soi-disant, ba Soda Wana, Bakota, Baluka Balteramwe, Baka na Bango, Bazonisa Bango Rwanda. Le colonie, il y a mon Atali, Atasoy na Rwanda, Bakangi, on a besoin de ça. Nan ya mon Atasu, qui a tali Nzaka na Rwanda, Moko, Obandiko ba Rwanda, Bayaka, Bakota, Bakena, on a besoin de ça Bango. Mais si comme Abimaka, nani a monaka yango. Aujourd'hui, je vais vous révéler une chose. Je vais prophétiser. Naloribe, Nazomona, Meti, Naloti yango. La 2028, s'il est quelqu'un aujourd'hui qui peut, aux côtés de son Excellence Félix Tshisekedi, porter la vision du chef pour finir cette guerre à l'Est, c'est Vital Kamerhe. Vous avez vu. Banda me colonie de Tobanda, Nanabino Tolamouki, Bakei pour attaquer résidence, Namoto et à Sengeli Kozala, président de l'Assemblée nationale. Toyota Kaba coup d'État, Bakei n'a quoi attaquer, ba résidence et à président. Mais comment peut-il, comment pouvons-nous parler d'un coup d'État où l'on vise un chef futur d'une Assemblée nationale? Tokanissa. Congolais tika distraction, Congolais tika biyoka yoka. Le fils de la révélation ne meurt jamais, dit la Bible. La loi kanabino, Zama Sangobaki, que la personne, en raison de sa kimena mboko, en conduit moko vers développement paix, comme nanayango, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Je vous avais dit. Donc, Batonios, Oboyina Kisasa, Oboyina Katina RDC, Motobango de côté, Kimuali. Forces armées congolaises, Abisoto Vandia, Tali Kobunda, et Nalisanga, la population, tous derrière le chef d'État, Tali Kobunda, soutenir Monguna Kota, Tepe Toko, Beta Bango. Guerreuse aussi là. Avant 2028, Paul Kagame a connu Kobang, la paix au Koufa. La lobby du Sous-Yam Balé. Paul Kagame a Koufa. A connu Kobang que Vital Kamerhe a joué à l'Assemblée nationale parce que le secret n'a pas été parce que Moutoumbo Togokota na Rwanda, parce que l'ennemi a Kagame. Il a ampleur, peut a remplacé. Voilà pourquoi. Est-ce que la lobby a été moto na Vital Kamerhe? Pour aller au Banga,
que non seulement aujourd'hui à l'Assemblée nationale, il va bouleverser leurs calculs, mais aussi il est pressenti comme futur président de la République démocratique du Congo. Je demande donc à tout le peuple congolais de se calmer. Restez calme, vaquez à vos occupations, tout va bien. Je vais vous présenter ici la communication des forces armées pour là de comprendre que la ville est calme et que tout le monde doit vaquer à ses occupations. Mayibisi na bayimboka mpe bato ya bikolo mosusu te lelo batongolo miso bamekaki kosala coup d'état mpe mampinga masai mosala mwa bango bayebayaki bakangami bango banso elongo na mokonzi na bango tosengi na ngunga oyo ma population ya biso ya Congo e bangate moto na moto asala mosala na ye oba okenda na losambo bakende losambo oba okenda na zando bakende na zando makambo manso mazana maboko ya mampinga mampinga za kosala mosala na bango malamu na ngongeza koya tokozonga lisusu awa pour la cola qui s'abîme au bilili, dans ma cambo et belle au Yessalemaki. Voilà, vous venez de regarder. Deuxième chose, très chers amis téléspectateurs. Nazali Koya, Nazali Koya. Yami Balé, Mamba Lampadaire, Nazoya aussi, ça va Mamba Lampadaire. Tout ça, ça. Bon, c'est là à partir de lundi. Nazoya aussi, ça va Mamba Lampadaire. Nazoya aussi, ça va Mamba Lampadaire. Épreuve. Épreuve. Je vous dis, les gens seront arrêtés. Parce que vous avez dit que Nicolas Kazadi m'a donné de l'argent. Vous avez dit que j'ai été corrompu. Mayoki, Zamayoki. Mais sachez-le, la Bible dit. Mon père agit. Moi aussi j'agis. Je veux agir. Donc on a écouté la bâtonnion soyo. Écoutez-moi. Yami Malé. IGF. Mongo, Mongo. 650 millions. Ma sinon ma pessi. Na 7 milliards RDC récupéré na contrat na ba sinwa mbongo 650 millions et côté déjà na caisse ya l'état congolais na caisse ya trésor public kasi to moni misala o ba lelo kosala 650 millions et ali misala o fonaire gouvernement de la république pour les institutions mosusu ba pesaka déjà mbongo pe misala mi misala mi na misala ma awa na lobaka na bino na koloba na bino te ke olobayibi te soko na lobi moto ayibi soko na tangi komona moto nalebi yo na bapreuve oyo ayibelaki na mikalo oyo asinyaki na kopesa bino badocument na kopesa bino exclusivité enquête oyo babengi journaliste d'investigation ayaka moto ayi asali enquête aye na bapreuve yaya totika koyoka biooka totika kolanda bilandalanda na bato bakoloba mpo moto atumoli maboko likolo bokonimela ye nalobi boye na kolakisa bino bakombo na bato bayibi bagboli mongola leta na misala oyo balobi ekosalama na 650 millions bashino bapesaki misala mina ebele leta asabibisa deja mbongo naa na baliste awa na koloba yango te nakozonga mboka ngai kisasa nakolobela bino napesa bino liste na misala mina mongo ebibaki bongo tokende kotuna mese IGF boni moni yo moto okontrolaka yo moto odevolaka bato yo moto olobaka na bato batuda yo te kasi bato bazwaki mbongo liboso okontroli bango te ndenge nini mpo na bakamata misala mina o mongo se ebima na leta baya kokamata bakamata sungu mongo bapesa bango bagbola lisusu je veux vous emmener en exclusivité des documents et des preuves qui vont vous montrer amis téléspectateurs que 1 les fonds pour certains travaux dont je ne vais pas parler ici, mais je vous promets en tout cas que dans la journée de mardi, vous aurez cette exclusivité. Il y a des routes, particulièrement le volet infrastructure ici dont on parle, il y a des routes qui ont déjà été financées, dont l'argent est déjà sorti,
et que l'argent a disparu, mais ces routes et ces projets sont repris dans le financement des travaux sur les 650 millions sortis. Je vais vous emmener des interviews, je vais vous emmener des preuves avec des autorités. Vous allez voir, et c'est là que vous allez comprendre que le journalisme d'investigation est un travail de noble, pas de comédien. Merci.